Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est toujours un plaisir pour m'entrer la caillou pour me porter pour toute dernière information à travers le pays d'Haïti, tant pour l'autre bord de l'eau. Jeudi à ce mardi 19 décembre 2023. Bienvenue dans le journal là. Puis, vous prenez une vague pour nous développer pour aujourd'hui dans le journal ça. L'armée Israël a continué à pilonner le territoire Gaza pendant un pile effort à faire temps pour capable gagner assistance humanitaire qui rejoint la population Gaza. Premier ministre Ariel Henry fait qu'on est année 2024 là avec lui-même pour une année de reconstruction. La justice a condamné et ancien sénateur John Joel Joseph comme quoi c'est un monde qui était non était impliqué dans l'assassinat Jovenel Moïse, lui c'est un énième condamné dans dossier ça. C'est tout pour ça yo à divers lot nous va gagner pour nous développer pour aujourd'hui dans journal ça, restez connecté avec nous yon façon pour bien informer. Une autre fois encore, bonsoir pour nous toutes et bienvenue dans le développement journal SILA. Premier ministre Ariel Henry te recevoir hier lundi 18 décembre, bien yon série de grandes communes d'État. Guga, lui-même, lui lance un appel que lui-même lui mandé ensemble avec le gouvernement pour capable empêcher les migrants haïtiens et bien aller l'autre côté pour aller risquer vie, aller chercher la vie. Même Gassa, lui-même lui mandé pour Premier ministre Ariel Henry, ensemble avec plusieurs autres secteurs privés, pour être capable de faire effort, pour te mettre tête ensemble, pour empêcher Mounsayo, eh bien, à risquer vie. En fait, Premier ministre lui-même a été organisé semaine qui s'est passée, hein? Eh bien, il a profité et invité quelques corps diplomatiques, patron média, à quelques autres membres encore, amis internautes. Gagné yon se néo-chirurgien, li même li profite occasion ça pour le faire connaître à quel que soit n'importe moun qui a vivre dans le secteur national là, et bien déclaration que li même li fait, année 2024 là, c'est pral yon année avec li même yon année de construction et de reconstruction pour capable aider population haïtienne là, et bien rive nan yon niveau, et bien année 2024 là, qui c'est pral yon année de construction, la il pral est capable construire une série d'infrastructures, l'école, l'hôpital, tout ça qui était écrasé, et même l'école qui était fin écrasé, avec ça qui était arrivé non au niveau, il était presque écrasé, il était capable de ranger l'école ça yo, pour que tout le monde soit capable aller à l'école à chercher plein d'instructions. Et dans même occasion ça tout, et bien faire comprendre, il va profiter, et bien pour qu'il soit capable de créer moyen pour qu'il gagne un kit scolaire pour aider tout le monde à arriver à joindre yon mo sou la manjaye pour aider maman ensemble avec papa petit. Toujours dossier Premier ministre Ariel Henry, eh bien, politicien haïtien, nous voulons parler de PM, li souhaite pour que peuple haïtien, qui est lui-même, li fait connaître qui c'est peuple là, pour yon rejoindre confiance, pour rejoindre confiance dans ça qui gagne ensemble avec sa kerelo institution l'État yo qui au même yo te fin perdit confiance. Direction générale police nationale là gagné premier ministre gagné directeur général la France LB dans une visite que lui-même li te fait dans pays Kenya semaine qui s'est passée là, et bien après visite ça li vient joindre un accord et accord ça signé hier lundi avec un pays Kenya dans opération qui va gagner pour faire dans année qui vient pour l'union dans l'idée pour que capable et bien courir derrière gang qui a bay problème dans le pays d'Haïti. Et bien selon Linda Thomas, qui Linda Thomas Griffin, lui-même qui ses amis internautes dans le pays États-Unis, lui-même lui fait connaître gagné pays États-Unis qui déjà préparé pour qu'il capable bay 200 millions de dollars pour pied pour ouverte avec force pour qu'il capable rentrer dans le pays d'Haïti pour capable venir goumen contre gang pour déraciner déloger gang ensemble avec police nationale d'Haïti qui pral déconcert. Et bien dans sens ça gagné dirigeant Kenya yo déjà fait connait que gagné déjà plus que 3000 soldats 3300 soldats qui déjà préparé pour entrer dans le pays d'Haïti sous bout de papa de Saline pour venir traquer gang qui empêche population sortir pour capable fonctionner libre et libre. Un dossier assassinat Jovenel Moïse, ancien sénateur
John Joel Joseph lui-même qui t'est plaidé coupable et bien dans mois qui s'est passé yo dans sa gain ah ouais avec Zaka assassinat Jovenel Moïse et bien dossier ça lui-même qui t'est arrêté à la de col à faire la lose dans pays d'Haïti gagné américain yo même qui pas décidé rester chita ni dormi sous dossier ça et bien fait poursuite ensemble avec John Joel Joseph, non seulement le TPD coupable, eh bien, jeudi, mardi 19 décembre, gagné John Joel Joseph, lui-même en sénateur, lui arrivé condamné après tout dossier, après toute audition, eh bien, monsieur, lui-même, lui fait qu'on aime, il était obligé de fouiller col dans le dossier assassinat président en dedans de 5 ans, c'est parce que lui-même, lui connaît, lui tapral, premier ministre. N'a pas rappelé, John Joseph, lui-même, c'est pas dernier condamné qui gagnait dans le dossier ça, c'est pas premier condamné qui gagnait Rodolphe Dia, un premier condamné qui était gagné dans le dossier ça, mais nous prenons John Joel Joseph, lui c'est énième monde qui lui est condamné dans assassinat ancien président Jovenel Moïse. Gagné Israël lui-même qui pas décidé camper sous sa gagne avec que ensemble avec militants Hamasio, eh bien dans Moyen-Orient, malgré gen en pile effort qui a fait pour que aide humanitaire capable de joindre militants Hamasio, et même en pile autorité mandé pour capable gagner un trêve qui capable fait malgré c'est pas un trêve et bien permanent gagner militants Hamasio yo attendre pour qu'il est capable gagner une solution pour que gagne ça non seulement pour qu'il camper et trêve là tout mais gagne israélien yo cementé 7 fois 70 7 fois dit même lorsque tu as gagné un trêve pas gagne rien cap faire au camper sous gagne ça parce que faut yo même yo éliminer quel que soit n'importe militant Hamas qui gagne pour que pas gagne youn qui existait sous bout de ça tout autant que même yo a vivre moment arrivé pour que nous même nous capable mettre vent dans voile nous pour que nous capable mettre vent pour fini ensemble avec journal ça mais juste avant nous aller n'a rappeler qui pour nous arriver développer pour dans journal ça l'armée israélienne continue à pilonner territoire Gaza pendant un pile effort a fait pour assistance humanitaire rive joindre population Gaza. Premier ministre Ariel Henry lui-même lui fait qu'on est année 2024 là avec lui-même pral yon année de construction. La justice lui-même lui rive condamné et bien John Joel Joseph ancien sénateur de la République d'Haïti parce qu'il c'est un nan moun qui t'a participé nan assassinat Jovenel Moïse. C'est tout point ça yo ak divers plot. Nous t'ai rive développer pour dans journal ça. Restez connecté à nous pour capable toujours bien informé. Quant à pour moi-même, Dirichi Restal qui t'a présenté au journal ça, nous chapé pour nous, n'a quitté ensemble avec VOA Creole. Bizer, yon plaisir l'autre fois encore pour ensemble pour nous présenter un programme dans langue créole haïtien. Moi c'est Jacques Lambelizer, quelques grands points cap dominer actualité. Actualité internationale, guerre Israël-Hamas, affrontement mortel continue entre deux parties pendant le Conseil de sécurité des Nations Unies réuni jeudi sous situation catastrophique Gaza. Ici aux États-Unis, gouverneur État Texas, la républicain Greg Abbott, prend une loi entre autres pour arrêter et mettre en prison tout le monde qui traversait illégalement frontière États-Unis partagée avec Mexique. Et puis, un gros tremblement de terre dans le pays, la Chine, prend la vie plus passé 120 monde avec plus passé 700 autres qui blessés. Et puis, dans le pays d'Haïti, le commissaire gouvernement Port-au-Prince, Elder Guillaume, libéré plus passé 40 prisonniers dans le cadre de lutte contre détention préventive prolongée dans la prison. C'est pour ça yo avec l'autre encore nous parlons développer pour aujourd'hui un rendez-vous info yon plaisir l'autre fois encore pour ensemble merci d'être choisi VOA Creole pour informer yo. D'abord dossier Haïti nan yon réunion informelle hier lundi a président Assemblée générale Nations Unies Denis Francis ba rapport sou dernier visite qui était fait dans pays d'Haïti et il dit que population attend en pile confiance déploiement mission support sécurité multinationale là Valérie Saint-Louis depuis New York. Président Assemblée Générale Nations Unies, Denis Francis, dans une brève réunion informelle qui était organisée hier lundi 18 décembre dans quartier général organisation internationale là, t'a dit que déploiement mission support sécurité multinationale là qui était autorisé par Conseil sécurité à dans date 2 octobre là,
en attente en urgence par un pile moun en Haïti, inclut parti politique yo à groupe société civile là. Parce que d'après lui, rapport 28 novembre là qui sorti dans bureau Nations Unies pour droit moun ak bureau intégré Nations Unies en Haïti a te déterminé que gang yo pas seulement contrôlé 80% dans Port-au-Prince capital pays a, mais tout yo gaille même plus loin que ça, rivé juste dans zone rurale yo qui était considéré comme zone qui pas en danger. Président Assemblée générale Nations Unies t'a parlé comme ça dans moment que t'a partagé commentaire li sous dernière visite il t'a fait en Haïti et puis li t'a mandé réunion ça yon façon pour t'étendre opinion l'autre état membre sous façon que t'a capable encourager plus action concrète en Haïti. Denis Francis t'a continué parler de dernière mission li dans pays a il t'a dit I did not mince my words in categorically challenging the Haitian political elites. Moi pas ménager parole moins les moi t'ai catégoriquement défié ancien élite politique yo pour yo abandonner préoccupation personnelle yo et puis bay priorité apito à l'autre monde ordinaire en Haïti, des monde qui déjà appendiré trop tribulation et qui méritait pour bay yo une chance pour yo réussir. Bon côté Pali, représentant spécial secrétaire général là en Haïti, Maria Isabel Salvador, t'es fait une présentation à distance pendant que t'es dans le pays Équateur. Et il t'es parlé pour dire que Haïti campé dans un carrefour décisif. We must not overlook the ongoing humanitarian crisis. Nous pas doit négliger crise humanitaire qui continue à qui caractérisée par gros insécurité alimentaire, déplacement et problème protection mounyo. Il y a besoin urgent pour augmenter aide humanitaire internationale là en bas financement plan réponse humanitaire pour Haïti qui kounye a évalué à seulement 33%. Antonio Rodrigue, représentant permanent Haïti dans Nations Unies qui lui-même tout a participé dans réunion. Tu prends la parole pour le dire. Avec le soutien et l'engagement continu de la communauté internationale menée par les Nations Unies, nous sommes optimistes pour notre avenir. À cet égard, nous apprécions à sa juste valeur la décision prise par le Conseil de sécurité d'autoriser le déploiement de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti, qui viendra aider notre force de police à combattre la violence des gangs armés. Ambassadeur pays Kenya, Michael Koboino, qui t'a représenté pays dans la réunion ça, t'es parlé tout pour le dire. Kenya is presently working closely with Haitian authorities. Kenya a travaillé avec autorités haïtiennes dans un moment, ensemble avec participation CARICOM là, avec l'autre partenaire pour finaliser préparation qui nécessaire pour déploiement force là. Nous avons confiance que MSS mission pourra contribuer en pile dans une amélioration dans le secteur sécurité pays d'Haïti et puis faciliter restauration la loi et état de droit et puis créer un environnement qui favorable pour organiser élections avec développement social et économique. Et c'est comme ça que réunion bref et informelle ça. Sous cas pays d'Haïti a été fini. Il y a une réunion qui était faite sous demande spéciale. Président Assemblée générale Nations Unies, Denis Francis. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Merci Valerio. Et pendant ce temps, il y a un Japon qui fait connaître l'idée que c'est 14 millions de dollars en faveur de sécurité dans le pays d'Haïti. C'est l'ambassadeur pays Japon dans le pays d'Haïti qui partageait information ça pendant le passage dans le cap haïtien. Nous sommes sous place, Gérard Maxino. Pendant le passage li dans nos pays, ambassadeur pays Japon qui est accrédité dans le pays d'Haïti, Yuji Kumbo, dit lui reconnaître que le pays d'Haïti a fait face à gros difficultés dans le domaine sécurité. C'est ça qui fait que pays Japon déjà décaissé 14 millions de dollars en plus pour stabilité Haïti au niveau sécurité. Diplomate Kumbo dit au bay PNH assistance fourniti ak véhicule pour lutter contre bandits. Nous comprenons que l'amélioration de la situation sécuritaire en Haïti c'est le plus prioritaire maintenant. C'est pour ça que nous avons déjà décidé de fournir notre assistance additionnellement 14 millions de dollars américains pour la stabilité de Haïti, juste pour améliorer la situation sécuritaire et humanitaire. Et un des exemples, c'est notre assistance, fourniture de véhicules à la PNH pour améliorer la capacité pour lutter contre les bandits. Ambassadeur Kumbo rappelait que le pays Japon a voté pour une force multinationale dans le pays. Le Japon aussi a vraiment l'intention de
coopérer pour la réalisation de l'angoisse de cette mission. C'est pour ça que nous avons décidé récemment d'ajouter de notre budget additionnel de 14 millions de dollars américains. Diplomate japonais a fait déclaration ça yo 18 décembre 2023 dans moment yon université privée dans Milo Institut diplomatique et relations publiques IDRI tap honoré. Recteur IDRIAN Rosana Gersi expliquait université a honoré diplomate Kumbo pour bon jan travail li réalisé dans cadre coopération pays d'Haïti avec pays Japon. L'ambassade Kumbo a fait un travail remarquable pendant l'année 2023 et donc par rapport à ses accomplissements, l'institut a décidé de lui octroyer cette distinction d'honneur, faisant de lui le chevalier de l'ordre institutionnel académique de l'université de Massankara d'Haïti avec pour unique faculté IDRI. Ambassadeur Kumbo, ce cinquième diplomate IDRI honoré. Gérard Maxino, Cap Haïtien pour la FAD d'Amérique. N'a parlé qu'on y a Haïti Justice, commissaire gouvernement Port-au-Prince, Elder Guillaume, libéré plusieurs jeunes garçons qui étaient fermés dans la prison civile Port-au-Prince, là, dans le cadre de lutte pour contre détention préventive prolongée dans la prison Massado Vilme, t'es présent. Vol de téléphone. C'est en total 48 jeunes garçons qui vivent joindre libération dans le cadre de l'État mené contre détention préventive prolongée dans la prison civile Port-au-Prince, le monde plus connaît sous nos pénitenciers nationaux. Les gens qui font des infractions mineures, on parle des infractions mineures, on parle des vols de téléphone. Nous constatons, nous voyons, nous gardons, nous sommes les gens capables de libérer. Et gen la dan yo ki te la pou 3 ans, 4 ans, 5 ans pou on telefòn yo te pran. Kon sa tou gen la dan yo ki te la pou wad fè moun ki te goumen, se pa bagay ki grav. Moun sa yo si yo tap kondane, yo tap kondane pou deli. Et nou konnen deli yo, lòm moun kondane pou deli se 1 an a 3 ans d'emprisonnement. Mais si gen moun ki gen au-delà de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans, nous allons apprendre, j'ai nous pour garder ça, comme commissaire du gouvernement. Libéré yo qui passe en 10 à 3 années prison, sans yo pa jam passe devant juge naturel yo, pas de jouer un mot pour exprimer contentement yo. Mon téléphone qui est jeune, m'a fait taxi moto, mon téléphone dans la cam parce que pas quand mettre lui. Faut aller moi c'est un appel, je ne mettre lui, côté d'aller. Mettre qui fait arrêter. Qui sont pas là pour nous. Oui, mais chercher. Soit mal je ne peux pas m'amender yo. Soit mal je ne peux pas m'amender yo, mal non fait jardin. Fait jardin, je fais jardin, travail terre ou bien quatre cabri, quatre cochons et ça me faire. Bien dit. Nous devons dire que le combat de détention préventive prolongée a arrêté aujourd'hui à une grosse bataille pour la justice haïtienne. Sur environ 11 000 personnes qui sont en prison, c'est seulement 1935 qui arrivent jugés. Ce qui représentait 16,5% selon rapport plusieurs institutions de droit de l'homme, tant que CADO, RNDDH, pour citer ça ou seulement. Ajoutez tout ce mouvement grève la justice la apprenne, la cause population qui est en prison n'a pas suspendu augmenter. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massia Revine pour VOA Créole. Actualité a toujours concernant le pays d'Haïti où souvé au Acriole. Premier ministre Ariel Henry mandé pour fonctionnaire l'État yo, travail pour établir confiance dans l'institution publique yo. Chef gouvernement a fait déclaration ça au moment l'État pour recevoir salutation officielle grand commis l'État yo. Yon reportage Yves Manuel.
Premier ministre Ariel Henry recevra lundi 18 décembre 2023 salutation officielle grand commis l'état yo ak fonctionnaire public yo ministre ak secrétaire d'état secrétaire général directeur général ak coordonnateur général cadre nan fonction publique là yo tout té réuni dans jardin villa d'accueil sous Boudon pour échange vœux fin d'année yo pour année 2023 chef gouvernement estimé fonctionnaire public yo réussi mission yo. Mes félicitations pour le travail que vous accomplissez au service de la communauté, au service de la nation. Tout au long de l'année qui se termine, vous avez fait preuve d'une résilience exemplaire, travaillant sans relâche pour surmonter les obstacles qui se sont dressés sur votre chemin. Votre engagement indéfectible et vos efforts inlassables ne peuvent nullement être passés inaperçus. Malgré les temps difficiles, vous avez maintenu le cap. Et c'est grâce à vos efforts que nous avons pu continuer à avancer dans des circonstances parfois éprouvantes. Selon Premier ministre, l'année 2024 ouvrit de nouveaux horizons. A bien difficultés, mais tout opportunités. Faut peuple haïtien retrouver confiance dans institution publique yo, selon déclaration Ariel Henry. L'année 2024 ouvre de nouveaux horizons à explorer. Nous serons certainement confrontés à des obstacles importants, mais nous devons les considérer comme des opportunités de transformation positive. Nous engageons à renforcer la transparence et la responsabilité au sein de notre administration, à améliorer l'efficacité des services et à créer un environnement propice à la croissance économique et au bien-être de nos concitoyens et de nos concitoyennes. Après chef mission diplomatique yo, membre corps consulaire, représentant organisation internationale, représentant secteur privé, affaires et responsable média, c'était tout pas grand commis l'état yo pour recevoir salutation officielle Premier ministre Ariel Henry dans occasion fête fin d'année. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Ou sous VOA Créole, on suivi un programme dans langue créole haïtien, actualité internationale là dans un petit moment. Toujours sous VOA Créole, on suivi un programme en langue créole haïtienne. Nous parlons entrer dans l'actualité internationale là et nous parlons plus précisément dans la région Moyen-Orient. Mais guerre Israël à Masla et affrontement mortel continué entre deux parties pendant que le Conseil de sécurité des Nations Unies était réuni jeudi à sous situation catastrophique pays Gaza. Il y a mise à jour sous situation, sous guerre avec Augustin Junior. Pour pipiti 20 moun mouri jodi mardi 19 décembre nan, nan yon atak lame Israélien yon sou kek kay nan Rafah d'après ministère santé nan Gaza. Depuis le nou vini matin yon, nou te commencé retire moun depuis 6 ans. Nou retire de nan koyo. Pa gen zouti pou sa. Jis men nou. Nou pote bulldozer pou retire debri yo parce que environ 10 moun an ba yo. Yon petit garçon, papal, mamal, petit garçon ak petit fil, toujours en bas debri yo. Kay ki entoure yo, te dommage tout à cause bombardement. Yon drone t'a montré conséquence attaque mortelle israélien yon sou Rafah. Se kouris yo t'a fouye nan de kombyo mardi 19 décembre nan pou joine moun ki pa mouri yo. Et puis, retire kadavyo après attaque yon t'écrasé 3 kay nan Rafah nan site Gaza. Nous pas jamais mwè zam sa yo. Mwen fèt nan l'année 1950, mwen pas jamais mwè yon bagay kon sa. Mwen te wè la guerre 1956 la. Pat gen de gat an kou sa. Mwen te témoin la guerre 1967 la. Pat gen de gat an kou sa. Sa se yon zak malhonnête ke nou pas jamais mwè anvan. Israël se pi gros criminel la. Cependant, aya lundi ya, Hamas te publie yon ti vidéo ki montre 3 otages grand moun âgé israélien, groupe la te kembe pendant attaque 7 octobre li te fait ya. Israël dénonce li comme yon vidéo criminel ak terroriste. Yon nan otaj yo te identifié nan vidéo a comme Johann Metzger, ki gen 80 l'année.
Belfili te dit que vidéo a te porté sentiment de par mon famille. C'était la joie pour m'te wè yo vivant, pour m'te wè yo ok. Chita a parlé, c'est même moun mwen konnen yo. Mais yo te perdi poids et yo semblé faible. Ayala ensemble ak lot mam fami otage israélien yo, t'a protesté tout près ministère défense israélien en Tel Aviv, côté autorité yo te rencontré ak secrétaire défense américain Lloyd Austin. Noam, petite fille otage qui nan mitan nan vidéo a, te remercié gouvernement États-Unis pour engagement li nan supporté pep Israël la. Mais li te dit que li besoin gen plus pression sou Hamas. Mwen vle mande yo pou yo continuer et engager avec nous jusqu'à ce que papa ak tout l'autre moun yo libéré. Et nous connaît, nous besoin pression yo et nous besoin communauté internationale la di bien fort que li pas OK. Que yon grand moun age tan kou papa fermé nan yon nel nan Gaza. Nous besoin tout monde lundi ça clair. 7 octobre 2023, Hamas té touyé plusieurs centaines moun nan communauté israélienne. Plusieurs douzaines nan sa yo té kembe yo, té libéré pendant yon coup de suspend tiré nan fin mois novembre nan. En échange, 240 femmes palestiniennes ak adolescents qui sorti nan prison israélien yo. Sous l'autre bord, ministère santé Gaza te dit à hier lundi que 19453 Palestiniens te mouri ak 52286 blessés nan attaque israélienne sous enclave Hamas la te dirigé nan plus passé 2 mois nan la guerre. Action intensifiée l'armée Israël la contre Hamas augmenté inquiétude nan mitan gouvernement yo ak organisation internationale yo sous l'an mort civil. Grand goût ak sans abri. Gentil Augustin Junior, Washington pour VOA Créole. Merci gentil, nous pourrons parler de immigration. Et ben État Texas a adopté une série de mesures contre migrants qui ont essayé de traverser frontières États-Unis partagées avec Mexique sans document légal. Jean-Bert Philippe dit tout que Mexique avec organisation qui défend migrants yo et administration américaine a annoncé plan pour y aller dans tribunal avec loi sur immigration État Texas. Ça ça veut dire que c'est son bras de fer qui va l'ouvrir là. Effectivement, Jacques Jondia, Donald, je n'ai pas de mon nom, cap voye salutation, bah, cap souhaite bien, bon retour. En tout cas, bon, faut me passer le message là quand même, bah, il me dit, on va voye le message là, allez quand même. En tout cas, Jacques, 24 heures après, et gouverneur Texas là, signé et proposition loi Sayo, eh bien, organisation cap défendre droit immigrant aller dans tribunal dans état d'exaction côté déposer plainte pour mander un juge pour état d'exaction pas mettre en application nouveau loi que les SB4 cap entrer en application 5 mars cap venir là. En plus de ça, il y a tout gouvernement mexicain qui non seulement critiquer loi ça, mais tout lui dit qu'elle peut aller dans le tribunal tout avec toi parce que loi concerne Mexique, parce que tout le monde qui est exact a arrêté, c'est la Cali à vous retourner. Mais publiquement, l'administration américaine, tout comme le département de justice, n'a pas fait aucun commentaire sous question si là, même si la Maison-Blanche, en la personne de Paul Maison-Blanche, en a parlé de Paul là, eh bien, il a critiqué loi ça, il a dit que c'est plus danger la potée dans Texas au lieu que la potée solution. Gouverneur de Texas, Greg Abbott, signe une proposition de loi qui permet force de l'ordre d'arrêter tout immigrant ou suspect qui a traversé frontière États-Unis partagée avec Mexique là illégalement. Une décision gouvernement fédéral là capable mener dans tribunal. Biden's deliberate inaction has left Texas to fend for itself. The authors of the United States Constitution Gouverneur a signé une proposition de loi à l'occasion de journée internationale. Migrants, lundi 18 décembre, rend l'administration Biden en responsable situation sur frontière. Gouverneur a cité la Constitution qui parlait de possibilité au gouvernement fédéral de ne pas apporter trop attention sur l'État pour faire face avec une série de défis sur frontière. Gouverneur a cité section 10, article 1 Constitution qui bat l'État au pouvoir pour prendre action pour défendre tête. Et c'est ça exactement que Texas fait aujourd'hui, l'LCI, trois propositions de loi pour protéger plus bien l'État de Texas avec les États-Unis contre négligence de l'administration Biden dans sous frontière. L'administration Biden a travaillé avec les républicains dans le Congrès pour jouer l'argent pour sécuriser les frontières États-Unis partagées avec Mexique. Jusqu'à avant la cérémonie, c'est la proposition de loi Sayo. Un groupe d'immigrants qui était accompagné avec quelques militants a manifesté pour marquer la journée internationale
migrants dans le Mexique. Verdaderamente es doloroso porque son tres puntos o pierden la vida o quedan encarcelados o son arrestados y organización capacité migrants par les familles. En vérité, c'est une douleur. À cause des migrants, il y a trois problèmes. Perdu la vie, été fermé dans la prison ou bien retourné dans le pays. La loi qui est le SB4 là a entré en vigueur en mars 2024 et considéré comme un crime dans le niveau État tout immigrant qui rentrait ou bien retourné au Texas illégalement et est capable de passer entre 6 mois à 20 ans en prison. Juge est capable de demander immigrant pour retourner au Mexique ou bien passer 20 ans en prison s'il refusait. Cependant, l'autorité mexicaine a le droit pas accepter de recevoir immigrants qui pas citoyens mexicains. Me parece una medida un poco drástica. Christian Ivan Torres, un immigrant mexicain, déclaré « Mais il apparaît en cours une mesure drastique ». De grâce à ça, a montré que les immigrants ont commencé à comprendre une frontière à Vinpidi chaque jour. Il y a d'autres immigrants qui préfèrent prendre patience et utiliser l'application CBP One pour prendre rendez-vous pour être capable de demander asile sur frontière États-Unis partagée avec Mexique. Son sus leyes, hay que respetar las leyes de cada país. Jeffrey Antonio Sevilla, un immigrant hondurien, déclaré c'est loi pays, nous devons respecter la loi chaque pays. Gouvernement Abbott signé une proposition de loi qui mettait disponible 1,5 milliard de dollars pour construire une muraille en Texas avec Mexique, un agent qui a sorti dans un fonds 5 milliards de dollars qui était déjà disponible pour renforcer la sécurité sur la frontière. Victor Castillo a préparé une partie dans ce segment ça depuis Brownsville, Texas, pour service espagnol là. Et moi-même, Jean-Robert Philippe, a complété pour VOA Creole dans Washington. Et puis toujours dans l'international là, gagné un tremblement de terre qui frappait pays la Chine, plus passé 120 monde perdu la vie. Détail avec Serge François Michel. Yon koken goudou goudou souke en région nan mod nan nord-ouest la Chine. Gote autorité ou di, jodi madian li détruit kay ki te résident ou nan la ri nan l'anuit kote Freddy descend pi bas se température glace. Et kote l touye 127 moun nan soukous ki touye plus moun nan payan debi 9 l'année. Tremblement de terre qui mesurait 6.2 te fait yon titan avant minuit hier soir. Kote l blessé plus passé 700 moun, dommage route et coupé courant ak ligne communication dans la province Gansu avec Qinghai. D'après sa autorité ou avec la presse dans la Chine rapporté. Chaîne télévision l'État CCTV dit 113 moun mouri d'après confirmation autorité ou dans la province Gansu et puis 537 lots blessés dans la province là. 14 lots perdu la vie et 198 blessés dans Qinghai. Dans une zone qui est au nord et puis centre là d'après quotidien Pepla qui c'est organe officiel parti communiste là. Et puis centre là tenant distance environ 1300 km à sud-ouest capitale là Pékin. Gen groupe en majorité musulman qui habitait dans zone ça qui nan mon tout près quelques communautés moun région Tibet. Autorité ont dépêché pour pipiti 4000 pompiers, soldats ak agents police nan effort sauvetage là et la libération peuple dans l'ouest payon établi yon poste commande pour diriger travail là. Goudou goudou yon ti jan fait en pile dans zone mon ça dans l'ouest la Chine qui montait pour former bord l'est plateau Tibet. En septembre 2022, 93 mouns ont perdu la vie dans un soukous qui démesurait 6.8 qui était frappé pour 26 Sichuan dans le sud-ouest de la Chine, déclenché éboulement et souké Chengdu qui est la capitale province là. Côté 21 millions de mouns ont bâillé un confinement pour COVID-19. Serge François Michel, VOA Creole. Merci Serge. Et puis, une mise à jour concernant Canal là. On a parlé de zone Wanamet. Eh bien, gagné chanteur Réginal Kangé avec Maestro Denner Seyid. Eh bien, deux gros dirigeants, groupe haïtien très populaire. Ça aussi, on a parlé de affaires. Mais bien, on a visité Canal là. Et ils ont été bien contents pour ça qu'a fait là. Et puis, Konya, nous on peut aller dans une ambiance Sound of Little Haiti. Dans Floride, Jean-Marc Hervé, Abela. Activité si la fait chaque troisième vendredi dans le mois. T-Vice, c'était dernier jazz à quitter sous liste pour jouer pour Ania. C'était une belle ambiance. Malgré Fire et la pli, ça pas de shopping pour audience dans prend plaisir à groupe T-Vice.
Ferdinand Ligonde qui t'a pris plaisir avec Marie Lantivais, t'es dit bien à créer la saque lui-même à l'irémen dans sa honte à Fléloïdi. Je dis, hein, nous venons à Tivais. Tivais, comme d'habitude, très bien délivré. Il pas décevoir monde, nous bien amuser nous. Et encore une fois, Sounds of Little Haiti, this is the place. Nous mettons venu avec famille nous, timoun nous, n'a amusé nous, n'a pas tout le monde nous qu'on habitué dans le pays nous, dans le programme. Malheureusement, nous pas qu'à aller encore en Haïti, mais si nous venons là, nous qu'à ressentir, revivre même bagage nous devons vivre autrefois en Haïti. Steve, qui est un participant qui sorti New York, t'es parlé pour le dire. Juste là, avec la Florida, pour enjoy time avec T-Vice. Si pas ils sont diables, nous on va pas dormir sur ça. En fait, c'est bon bagay. Moi là, m'a présenté pour moun qui pas kavin là. Moi là avec eux pour représenter pour T-Vice qui lent les doigts de tonight. Puis si Chris moi côté parle, c'est vrai une invitation pour moun qui sorti Haïti dans programme Biden là pour venir amuser eux dans activité si là. Sou pas j'aime venir là. Nous t'avons vu venir là pour faire expérience là. Tout le monde Biden, n'importe monde depuis nous là, vient dans Sounds of Little Haiti. Tu vas venir dans Sounds of Little Haiti ou pas pour qu'on aille. Jazz noté 100%. T-Vice is always 5-star. C'est eux-mêmes qui ont bien déposé dans HMI. Now you already know, you're so number one group. Et non seulement papa, yo te le top vice, kuna yo même yo pick up two, they're beautiful, wonderful. Pour Lawrence Ligonde, rater troisième vendredi Sounds of Little Haiti, pour lui, c'est un bagage qui est impossible. Le programme ça est très intéressant, moi je viens la donner chaque mois. Et son programme qui fait troisième vendredi du mois, son programme côté que moi-même avec toute famille, moi. Et nous détendons assez bien. Je vais regarder en pile famille qui là, et en pile jeune monde. Je vais vous remercier, je vais jamais manquer. Et vendredi, chaque vendredi ça, chaque fois bon programme différent, bon bagage différent. Malgré toute diligence, VOA créé la TV pour parler avec un musicien T-Vice, ça pas trivé possible. Jean-Marc Hervé Abela, Miami, pour VOA créé. Donc c'était belle ambiance, merci Jean-Marc Hervé Abela. Et c'est avec Daniel Potage ça que nous avons mis fin dans le programme aujourd'hui. C'est un plaisir comme d'habitude pour nous d'avoir. Nous voulons remercier de façon spéciale Jean-Robert Philippe, Cavalier Paul Camoin qui était là. Et nous avons une petite vacances, tout petit, bon, gros vacances. Mais nous retournons et nous disons merci, merci pour tout le monde qui dit bon retour. Que c'est Madame Gladys Jean-Baptiste et Saint-Louis, que c'est Mariela Cadet, que c'est Daniel, tout le monde, ça y est. Nous disons merci pour attention, merci pour fidélité. Et puis nous disons tout le monde qui te permet que le programme ça te arrive, viens joindre nous et puis nous comptons avec nous et puis nous souhaiter et chef service là, Sandra Lemaire, passez une bonne vacances. Moi c'est Jacques Lambélizère. Bonsoir et à demain.